Journal du Golfe vous emmène au soleil. Le soleil de l'île Maurice, direction le Constance-Belmar, pour découvrir ses deux parcours, le Légende et le Lynx. C'est un des plus vieux de l'île, il est né en 94, sous la signature de Hugh Bayoki, un champion sud-africain. Et voilà, c'est un parcours traditionnel, très naturel, avec voilà, plein de trous vraiment très sympathiques, très challenging. Alors, le Lynx, oui, qui est le parcours qui est venu après, en 2002. Signé par Peter Alice, et voilà, qui est très différent du Legend, beaucoup plus, un peu plus large, très vallonné, avec de la roche volcanique un peu partout sur le parcours. Vraiment un parcours très agréable, bien qu'il soit pas si très très facile, mais il est très très agréable à jouer. Très complémentaire parce que voilà, le Legend est un peu plus serré et un peu plus plat comparé au Lynx, voilà, un peu plus large, un peu plus vallonné. Donc on a vraiment ces deux contrastes entre les deux parcours, donc très complémentaires pour nos joueurs qui viennent au Belmar Plage. Et depuis bientôt 10 ans, le Constance Belmar reçoit le MCB Tour Championship, la finale du Legends Tour, le circuit du Tour européen réservé aux joueurs de plus de 50 ans. Une épreuve qui a vu au fil des ans de grands noms s'imposer comme Colin Montgomery ou encore Tom Lehman. C'est même la 11e année parce qu'on a commencé le premier tournoi en 2010. Et en fait, c'était une partie que j'ai fait avec un directeur général de la MCB à l'époque qui était passionné de golf et qui avait une vision et qui voulait que le tournoi qui s'appelait le Mauritius Open avant grossisse. Et dans la partie que je fais avec lui, à un moment donné, je lui dis bah, il faut que tu intègres l'European Tour. Mmh. Je lui dis mais ça coûte beaucoup plus cher. Je lui dis l'idéal, ça serait que tu intègres le Senior Tour, parce que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, on a fait un rendez-vous dans la banque à Port-Louis. J'ai exposé tout ça au président et au vice-président de la banque, qui étaient d'accord. Après, j'en ai parlé au groupe Constance, qui eux aussi étaient d'accord. Et puis, on a fait un rendez-vous à quatre, si je puis dire, entre la banque, le groupe Constance, l'European Senior Tour et moi-même. Et donc, on a démarré en 2010 et tous les ans, ce tournoi prend plus d'importance parce que y a des nouveaux seniors qui arrivent. Là, par exemple, il y a un vainqueur de l'Open britannique, un vainqueur de l'US Open. Dans quelques années, il y aura encore plus. Et je crois que pour l'île, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'était vraiment le premier événement golfique sur l'île Maurice au niveau professionnel de golf. AMCB Tour Championship, où l'on a pu voir l'an dernier Thomas Levé. Même si l'épreuve 2021 a été annulée, le 6 fois vainqueur sur le DP World Tour s'est régalé sur le tracé du Legend. C'est un parcours qui n'est pas évident parce que dans les roughs, c'est un sol volcanique ici. Donc dans les roughs, il y a beaucoup de pierres qui ont été enlevées des fairways. Et donc il ne faut pas trop s'égarer parce que sinon tu peux te retrouver vite injouable. Alors il y a beaucoup d'endroits où c'est des obstacles d'eau, bien sûr, pour qu'on puisse sortir la balle quoi qu'il arrive. Mais c'est un parcours où il faut rester très très droit, très calme. On a l'impression qu'il y a tout devant toi, mais en fait, c'est pas si facile que ça. Mais par contre, Ce qui met de la pression sur les joueurs, c'est que les scores vont être quand même bas parce que surtout le matin, il n'y a pas trop de vent, surtout dans cette période-là. Donc on va y avoir des bons scores de toute façon. Donc ça va être une semaine intéressante. L'île Maurice, c'est vachement intéressant pour le golf parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de parcours qui tiennent le coup. Les resorts ont fait vraiment un effort pour que les parcours soient de bonne qualité. Et c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est une des destinations francophones les plus sympas pour jouer au golf parce que vous avez du soleil garanti, des parcours de bonne qualité, puis un accueil ici, les gens sont charmants. C'est vraiment fabuleux de jouer à Maurice. Et c'est justement sur le parcours que l'on retrouve un autre joueur du Legends Tour en la personne de Paul Streeter.
L'anglais double vainqueur sur le Legends Tour présente les trous clés du parcours du Legend. 13, you have to keep it, there's trees off the tee, they're here, so you have to hit a little draw just to keep it in the fairway. If you get it going to the right, you run through into some rubbish on the right hand side, so keeping it on the fairway is very important, and then it gives you a chance to reach the green in two. And the green? The green's, yeah, it's fairly flat, quite narrow at the front, but it's quite a straightforward green really. The hole goes around left to right, and the fairway runs right to left, so if you don't get it to the middle of the fairway, it'll run into the trees on the left or the bunker, so got to keep it up the right hand side. There's plenty of room, but you can't really see it. These trees stick out, so you can't really see the fairway, but keeping it up the right hand side is certainly important. Again, you can't see the water off the tee, but don't really need a driver. You just need to hit it sort of 240, 250 off the tee. Only leaves you a short iron into the green. So yeah, keep it on the fairway there. And again, the green sits at a slight angle, but it's fairly flat once you get on it. Direction ensuite le 17, l'une des signatures du Legend, un trou plus facile qu'il n'y paraît. It looks an intimidating hole because you're all over water and it's almost like an island green. But actually, when you get up there, it's actually quite a large green. It's probably the largest green on the course, really. So intimidating from the tee, but once you see how big the green is, it's not too difficult.